Bonjour ma famille, aujourd'hui je vous montrer comment passer la dernière mise à jour iOS 13,5 sans utiliser aucune application. Premièrement, je veux cliquer sur le menu réglages, puis je veux aller à Général et j'arrive à mise à jour logiciel. Mon appareil va faire un petit recherche pour détecter ce mise à jour et la taille nécessaire pour télécharger ce mise à jour et le installer dans mon appareil. Je veux parler un petit peu sur les nouvelles améliorations que porte ce mise à jour à notre appareil iOS. Ce dernier mise à jour a une rapidité d'accéder aux appareils dotés du Face ID et aussi fait des corrections sur les appels FaceTime et d'autres corrections sur les réseaux et les problèmes qui ont dans les dernières iOS, par exemple iOS 13.4, iOS 13.3.1. Donc, ce mise à jour a permis d'accéder plus rapidement au champ du saisi de code sur les appareils dotés de Face ID lorsque vous portez un casque facial et ou bien un casque intégré. Et aussi, ce mise à jour propose également une option permettant de contrôler la mise en avant automatique des vignettes vidéo lors des appels FaceTime en groupe et apporte aussi des correctifs et d'autres améliorations. Donc, ce mise à jour a des corrections et des améliorations plus nouveaux en comparant avec les autres mises à jour. Donc, dès que notre appareil détecte ce mise à jour, je peux cliquer sur télécharger. J'attends un petit temps selon notre début de la connexion. Lorsque mon téléchargement est terminé, je veux vérifier que mon appareil est en courant et le niveau de mon batterie dépasse